Aujourd'hui, le diabète essaie de progresser. Il est monté. Il essaie de faire des progrès. Au lieu de réalisation, c'est le diabète qui monte. C'est les réalisations qui devraient s'accroître. Donc, comme je l'ai dit, donc dans le passé, on prenait beaucoup les précieux de Mahayana. I stopped doing that for the last le maître en fait prend les préceptes et les donne. Il faut les prendre et les donner. Et ces dernières années, je ne l'ai pas vraiment fait beaucoup à cause du diabète. En fait, quand on a le diabète, d'habitude, on mange un peu. Toutes les 4 heures, en fait, on mange. De petite quantité. Et donc ça, je ne l'ai pas fait pour plusieurs années. So they received the lineage for many lamas.
Donc j'ai reçu la lignée de Nombre Lama, sa sainteté, Kyabje Sakonsecha Rinpoche, particulièrement. Et aussi peut-être sans Rinpoche. Donc j'ai reçu de nombreux, plusieurs lignes de lamas différents. Didn't take it myself to bow. So, donc je n'ai pas pris moi-même le vœu. So, mais not it's been, you know, perfect. So, so the lineage there. Donc en fait c'est parfait. More perfect than you that day. Did you fasting in the past? In the past, in the early dans times, le passé, for a long time, did Laudo and Kapan? Laudo, yeah, Kapan. All fasting. au début. Also the Edmar. J'ai fait le jeûne. Et aussi, je prenais beaucoup les préceptes du Mahayana dans le passé. Mais depuis que j'ai du diabète, je ne les prends plus trop. Donc, c'est ça les nouvelles. Je ne sais pas si c'est la BBC ou c'est la CNN. C'est les informations du jour. C'est les Sherpa News. Les infos Sherpa. De Namche Bazar. Donc je veux terminer certains préliminaires. So many people have this idea already. But, beaucoup de gens ont déjà cette idée. But some may not have, mais certains n'ont peut-être pas déjà appris. Just to finish some preliminaries. Juste pour terminer quelques préliminaires, ce qu'il faut faire le matin quotidiennement. So, j'espère que tout le monde a compris. On peut utiliser certaines citations du Bodhisattva Charyavatara que j'ai lu. Il y a une version plus longue et puis une version courte qui comprend tout. Donc le matin, la première chose, c'est la motivation de bodhicitta. Et cela, il faut, à la fin, en fait, il faut connecter cela avec le fait de dédier sa vie pour le bienfait des autres, des êtres, de tous les êtres qui sont innombrables. Donc, ils ne veulent pas la souffrance, ils veulent le bonheur. Exactement comme vous-même. Je veux mentionner de nouveau, peut-être c'était pas très clair.
en abandonnant l'admiration au samsara, en abandonnant l'engagement dans le samsara. C'est-à-dire avoir le samsara comme quelque chose de bon, comme de la vraie souffrance, de la pardon, du bonheur réel, pas juste la souffrance, mais voir toutes les perfections samsariques, comme il dit dans le Guru Puja, voir tout ce dont on jouit dans le samsara comme un parc de plaisance, et comme on est attaché à cela depuis des vies, des reconnaissances sans commencement, depuis le début, on a souffert jusqu'à maintenant. Pourquoi souffrons-nous toujours? C'est à cause de cela, parce que depuis des vies sans commencement jusqu'à maintenant. Et en fait, les souffrances, tous les problèmes qu'on a, rien n'est nouveau. On a fait cette expérience un nombre incalculable de fois, et c'est pareil pour le plaisir, pour le bonheur. Tous les plaisirs qu'on a, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste quelque chose dont on fait l'expérience un nombre incalculable de fois depuis les vies sans commencement. Donc, quels que soient les plaisirs que l'on a, ça n'est rien de nouveau. C'est quelque chose, et c'est possible que c'est nouveau pour cette vie. C'est quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience déjà dans cette vie. Mais dans le passé, on a eu ces souffrances ou ces plaisirs, que ce soit des plaisirs ou des problèmes, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà eu un nombre incalculable de fois. En fait, quel que soit le plaisir, j'essaie de donner des exemples, mais je ne pouvais pas. Ce n'est pas parce que je vois la souffrance, je ne dis pas ça, je ne dis pas que je vois que la souffrance, ce n'est pas ça que je dis, je ne peux pas faire la publicité. Mais ce que vous pensez individuellement, comme étant un plaisir, quelque chose que vous aimez, un plaisir du samsara, c'est rien de nouveau, c'est pas la première fois. Vous en avez fait l'expérience un nombre incalculable de fois, que ce soit une relation ou autre chose, ou aller sur la lune, et n'importe quoi. Avec une fusée, on va sur la lune. Avec une machine ou sans machine, on va sur la lune. Quelle que soit la chose qui vous donne du plaisir, personnellement. Donc, le problème, c'est d'être attaché à cela. En étant attaché à cela, on le regarde comme du plaisir vrai, réel. Et donc, nous avons fait cette expérience. Donc, nous êtes pré-renaissance dans chaque royaume un nombre incalculable de fois, mais nous ne nous en souvenons pas. Seulement, quelqu'un qui a développé la clairvoyance par les réalisations tantriques ou alors par le calme mental. Donc, ceux dont l'esprit est purifié par la purification.
plus vous purifiez l'esprit, comme ne t'entends pas. Lama Atisha il prit l'aspect d'être malade et en fait il avait la diarrhée. Donc le pipi caca sacré. Pour le Tibétain, en fait, il y a un mot honorifique pour dire ces choses-là, l'urine et les excréments. En fait, en Tibétain, il y a des mots honorifiques pour dire ces choses. En tout cas pour les excréments. Donc le pipi sacré et le caca sacré sur le lit parce qu'il était malade. Et Trontompa qui était l'incarnation du Bouddha de la compassion et qui était en fait la première manifestation de sa santé, le Dalai Lama, sans aucune pensée de voir cela comme étant sale, aucune idée que cela était sale, avec la dévotion parfaite pour son gourou, Lama Atisha, a tout nettoyé avec ses propres mains. Et donc il a offert ses services de cette façon. À cette époque, Trontompa, l'Esprit Saint de Trontompa, il est dit dans les enseignements sur la dévotion au maître. C'est mentionné que offrir le service. You know, suddenly able to see, you know, able can read even en offrant service. You know, the en offrant service, en fait, not only human beings, even the creatures, their mind can read. On peut lire soudainement, on peut lire l'esprit en fait, so up to des créatures. All the creatures, even the ants, you know, all the small et donc, creatures, même les fourmis, les petits insectes et les êtres humains, à une distance en fait qui prendrait 18 jours pour un aigle à atteindre. Donc à cette distance là tous les animaux inclus, à cette distance on peut voir, on peut lire l'esprit des êtres. Et donc cela c'est en offrant service. Il y a de nombreuses histoires similaires, pas simplement avec le majorante, pas avec d'autres. Pas simplement voir le passé, le futur. Mais voir donc l'esprit de toutes les créatures, tous les êtres qui se trouvent alentour à une distance qui prendrait 18 jours à un aigle à atteindre. So aussi par purifying mind, you're able to see. Donc en purifiant l'esprit, on est capable de voir
Bien sûr, le gourou, c'est l'objet le plus puissant. Et donc, on peut voir et on peut se souvenir du passé et du futur. On peut se souvenir du passé, on peut voir le futur. Et de plus en plus, lorsque vous avancez sur le sentier, donc, comme je disais, on peut se revenir du passé, des milliers, des millions, des milliards de vies dont on a fait l'expérience dans le passé. Et donc on peut se souvenir qu'on a été dans les royaumes inférieurs. Et même le royaume humain, en fait, les souffrances sont incroyables. Et on peut se souvenir de ça. Et c'est insupportable. On ne peut pas supporter même une seconde de rester dans le samsara. On ne peut pas le supporter. C'est comme si on se trouvait au centre d'un feu. On veut en sortir à la seconde même, sans attendre. On veut en sortir. Donc comme ça. Mais en fait, on ne se souvient pas de nos vies passées parce que notre esprit est tellement obscurci, est tellement tout est bloqué. On ne se souvient pas et on ne voit pas les vies passées et les souffrances incroyables. Et c'est une chose. Mais si on peut voir les futurs, pas simplement la vie future, mais beaucoup de vies futures. Et pareil, on peut voir toutes les souffrances qu'il faut traverser. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc c'est pareil. Et donc, c'est tellement effrayant. Le samsara est tellement effrayant. C'est effrayant. La pensée de se réincarner de nouveau est juste terrifiante. De se réincarner. Et donc, même une seconde, on ne veut pas rester là. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Et la personne ne veut pas être en prison, ne serait-ce qu'une seconde ou qu'une minute. C'est incroyable, la personne veut sortir. So this in the we have also the international office, the prayer book. Donc on a ce mantra dans le livre de prière qui est l'office international. Om Sambara Sambara. On le récite 7 fois et on souffle. On le récite 7 fois. Une fois qu'après avoir fait s'est engagé dans les vertus, ça multiplie les vertus. Cent mille fois. Et on le trouve dans un sutra. Et donc, on a dans le livre de prière à la page 7. Et donc on récite 7 fois le mantra pour venir le mala. Orutiramani pravayataya svong sipu. Venir le mantra.
how much they increases. Et donc on souffle sur le mal après avoir récité. Et donc si on fait cela, les mantras qu'on récite, 100 billion. Et donc ça multiplie 10 millions de fois. 10 millions devient 100 millions. Tratrik, et c'est ça dont j'ai parlé précédemment. Donc d'abord il y a 10 millions, et ensuite 10 millions donnent un tratrik 10 fois. 10 millions donnent un tratrik, et, en fait, et ensuite on a... Et donc 10 grandes tribus, et c'est un tratrik. 10 millions. 10 millions. So you can figure out that. I think 100 billion or something. So you can figure it out. Donc vous pouvez faire le calcul. Je crois que c'est 100 milliards, quelque chose comme ça. En fait, je suis toujours bloqué à ce passage-là. Donc vous pouvez compter vous-même. Le tratrix se développe 100 fois, 100 fois. Then see, then you see that increases 1000 times. Et cela, ça multiplie par 1000. Et donc, c'est enseigné dans un sutra. Le sutra. Unfathomable shall may come. Unfathomable house. Unfathomable. Le sutra de du palais céleste insondable. So this kind of things that Buddha so compassionate, you know, so compassionate to us, so Buddha. Donc Buddha le Bouddha, par compassion par nous, les êtres sensibles, enseignant ces mantras pour nous enseigner comment multiplier. Ça veut dire le pouvoir des mantras. Ça veut dire que même si on récite un mantra, ça se multiplie par un grand nombre. Et c'est la méthode de compassion du Bouddha pour nous libérer du samsara et pour nous conduire à l'éveil. Om Tetsaragana Hungshi Soha. Om Tetsaragana Hungshi Soha. Ah, la page 7. So by if you recite, et donc si on le récite, some text says seven times, si on le récite quelquefois on dit sept fois, quelquefois on dit trois fois le matin, on récite ce mantra. Then if you blow et on souffle, vous soufflez sous la plante, sous vos talons. Speed, you know. Sous la pente de vos pieds, en crachant un peu avec de la salive, en fait, tous les animaux, les insectes qui meurent sous vos pieds, tous sont renés dans le royaume des dieux des 33. C'est un royaume divin. That's very important to mention. Which, so the, en fait, ici, ici on ne dit pas de quel texte cela vient. En fait, c'est très important de savoir, de donner la référence. Comme ça, on sait quelle est la source. Found from other texts, you see, it says from Tantra, Root Tantra, Manjugosha Root Tantra, Jambal Sadhu. En
fait, on trouve dans d'autres textes, par exemple dans le Tantra Racine de Manjukosha. J'appelle Ségur. Le Tantra de Manjukosha. Et lorsqu'on marche dans la forêt ou on marche sur la plage, sur le, dans le sable, il y a des crabes très très petits. Tellement, il y en a tellement. Et si vous marchez dans l'herbe, par exemple, ça dépend où vous marchez. Ou dans la forêt. Et donc, il y a tellement d'insectes. Et il y a de très nombreux insectes. Et quand vous les voyez sauter, par exemple, quand vous marchez. Pouvez-vous imaginer sur la route, vous voyez, quand c'est éclairé par le soleil, vous voyez dans les rayons du soleil, vous voyez tellement de petites créatures, de petits insectes. Mais quand il n'y a pas de soleil, le soleil ne brille pas, vous ne voyez rien. Dans les rayons du soleil, dans la lumière du soleil, cela montre tous les insectes. Mais normalement, on ne les voit pas, ils sont là, mais on ne les voit pas. Donc c'est inimaginable. Donc quand on marche, il y a de très nombreux insectes. De nombreux endroits, je ne sais pas, en Italie peut-être, même ici, récemment, quand le soleil brille, quand vous avez des rayons, vous voyez tellement d'insectes. Mais s'il n'y a pas de rayons du soleil, vous ne les voyez pas. Et ça nous rappelle en fait comment ce corps humain est tellement précieux. C'est vraiment précieux ce corps que l'on a maintenant. Il est vraiment très précieux. Ça montre que c'est très rare. Uncountable number. Even relating to those tiny insects. Ce corps humain est très rare en comparaison de ce nombre incroyable de petits insectes. Imagine, you can achieve all the happiness. Et donc l'opportunité, l'occasion d'avoir ce que nous donne ce corps humain. Les possibilités, en fait, sont extraordinaires. On peut réaliser tous les bonheurs du futur. On peut renaître dans la terre pure, d'Amitabha, ou de Maitreya, ou de Tara, ou de Vajradhini. Et donc, on peut renaître dans une terre pure où on peut devenir éveillé, atteindre un état de bouddhisme. Où en fait, on peut être libre des royaumes inférieurs pour toujours. Où l'on reçoit les huit qualités de maturation. Un corps humain qui a huit qualités de maturation particulières. Matsungapa mettait l'importance sur ça.
sur cette opportunité en fait d'avoir on peut développer les réalisations plus rapidement si on a ces 8 qualités. Et aussi, il y a le corps humain qui possède les 7 qualités pour pratiquer le dharma et pour atteindre les résultats des réalisations. Et aussi, les 4 roues du Mahayana dans les vies futures. En fait, ces 4, c'est de trouver le la vertu du Mahayana et avoir les conditions propices et être né dans une famille bouddhiste ou en accord en fait qui n'interfère pas avec notre pratique, la pratique du dharma, et qui est supportive. Et donc ensuite, l'endroit où on pratique est aussi en harmonie et supportif. Et ensuite, avoir accumulé des mérites en ayant fait des prières pour obtenir les réalisations. Perfect human birth, 8 freedom, 10 endowments or 10 richness. Et il y a aussi la précieuse renaissance humaine. Quand on parle de la précieuse renaissance humaine, on parle des 10 libertés et des 8 libertés et des 10 richesses. Then you see liberation from samsara, then full enlightenment. Then you are able to also to cause to other sentient beings happiness this life. You see, with this human body. Et donc, avec ce précieux corps humain, en fait, on peut atteindre n'importe quel bonheur que l'on désire. Et donc, on peut aussi atteindre la libération du samsara et l'éveil complet. Vous pouvez aussi faire en sorte d'être la cause pour les autres, que les autres obtiennent le bonheur de cette vie avec ce corps humain qui a une intelligence incroyable, qui peut se développer aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est des bienfaits innombrables. Et le bonheur que vous pouvez faire... que vous pouvez en fait causer les autres de recevoir. C'est le bonheur de cette vie, des vies futures, la libération et l'éveil complet. Pouvez-vous imaginer ça? Ce que vous pouvez faire avec ce précieux corps humain, comme j'ai dit l'autre jour, il est plus précieux que le ciel entier, rempli de, non seulement de diamants, d'or, mais rempli de joyaux qui exaucent tous les souhaits. You know, that much Oshikran jewel and Europe, this precious member, this is much more precious. Et donc votre corps humain est beaucoup plus précieux que tous ces joyaux, en fait. La valeur de ces joyaux qui remplirait tout le ciel et n'est rien à côté de la valeur de ce corps humain. Donc, parce que avec ce ciel, en fait, l'espace rempli de joyaux qui exaucent les souhaits, en ayant ça, vous ne pouvez pas obtenir les bonheurs des futurs, la libération et l'éveil. Vous ne pouvez pas obtenir ces réalisations avec tous ces joyaux. So to not
So therefore, to not waste the Et donc c'est important. So what Lama Tsongkhapa, what Lama Tsongkhapa mentioned, the foundation good quality. De ne pas le gaspiller en fait. All day and all night. Gaspiller cette vie humaine, ce que dit Lama Tsongkhapa. Prendre l'essence jour et nuit dans une prière du Lamrim. C'est ce qu'il nous faut faire. Donc celui qui a, que l'on a trouvé une fois, sans cette bonne base, ce bon, ce corps. Ce corps humain, ce bon corps humain qui a la liberté. En réalisant comment il est extrêmement difficile à trouver. Extrêmement difficile à trouver, à retrouver. Donc, ce corps qui a les libertés, les richesses, qui est difficile. Difficile. Mais quand il est trouvé, il est très vite perdu. So please grant blessings to so there for us also to know the to know see what I just mentioned. Donc il est très difficile à retrouver, mais quand on l'a trouvé, il a une grande signification, une grande valeur. Last one. Et donc cette strophe en fait, qui est la prière du Lamrim, le vers 85 du Lama Tsongkhapa. Et donc il dit donc donnez-moi vos bénédictions, je vous prie de me donner vos bénédictions. Taking essence all day and night. Pour prendre son essence. It doesn't say only when you are happy, you know. Only doesn't say only when you feel good, or when you're in good mood, you know. It doesn't say that. It says all day and night. So I must pick up the all. You know. This is pay attention to that. Et en fait, ensuite il dit unceasingly taking. Et donc que je puisse donc générer sans cesse jour et nuit la pensée de prendre l'essence de ce précieux corps tout le jour et la nuit, le jour et la nuit en entier. Ça ne veut pas dire juste quand on est heureux ou quand on se sent bon. Eh bien, ça veut dire il faut faire attention au tout le temps, jour et nuit, prendre l'essence jour et nuit. Donc prendre les préceptes du Mahayana, c'est un exemple comment rendre sa vie, donner un sens à sa vie et prendre l'essence jour et nuit de sa vie en ayant pris les vœux, par exemple, ces préceptes du Mahayana. C'est tellement simple, c'est juste pour un jour. C'est tellement facile, en fait, c'est pas pour la vie. Évidemment, vous pouvez aussi prendre les préceptes pour la vie. En fait, non, c'est pas la prière de l'Amrim du Lama Tsongkhapa, en fait, c'est une autre. De Lama Tsongkhapa. En fait, c'est la fondation des bonnes qualités que l'on trouve dans le Gauriya Uga de Lama Tsongkhapa, Gandhi Lama Gama.
Donc, en tant que laïque, en tant que laïque, si on veut, on peut prendre les cinq laïcs jusqu'à la mort. Et donc, si on ne prend pas les cinq, on peut en prendre quatre, on peut en prendre trois. Même. Et les préceptes du Mayana, qui est juste pour 24 heures, nous avons cette incroyable opportunité de prendre ces préceptes et prendre ces préceptes à des mérites innombrables. C'est une purification incroyable. Et la nuit dernière, j'ai mentionné en fait la citation du sutra du roi de la concentration. Garder un feu pour un jour, tous ces mérites, tout ce bon karma que l'on crée. Donc hier je vous ai dit, c'est bien en fait. C'est bien de garder cette citation, de l'écrire dans votre journal pour vous souvenir, parce que c'est très important. Il ne faut pas délaisser ce que le Bouddha a dit. Tout le bon karma, en fait, en prenant un vœu. Sinon, le lama a dit quelque chose, vous l'avez entendu, mais vous n'avez pas complètement compris. Et donc, ça n'est pas devenu très utile. Vous vous en êtes pas sorti. Vous n'avez même pas complètement compris, en fait. Et cette citation est tellement précieuse. Rinpoche avait gardé cette citation dans son livre de prière. Une fois à la maison Aptos, nous avons fait l'auto-initiation de Vajrayogini. Et après, Rinpoche, on était quelques-uns. Après, Rinpoche nous a montré cette citation. Bien sûr, lui-même, il est au-delà. Il n'a pas besoin de garder cette citation. Le Bouddha n'a pas besoin de prendre des vœux. Le Bouddha n'a pas d'émotions perturbatrices, n'a pas d'esprit halluciné. Il n'y a même pas de souillure subtile. Le Bouddha, lui ou elle, c'est comme ça qu'il faut dire en anglais, ne fait pas de mal à autrui. En tibétain, on n'a pas besoin de dire lui ou elle, on n'a pas besoin de dire. So, Bouddha doesn't need, you see. So, donc le Bouddha n'a pas besoin. Alors c'est très important de garder cette citation chez vous, au bureau ou sur votre hôtel. Donc ça, je ne vais plus le répéter, je ne vais plus le dire. Mais si quelqu'un veut la connaître, cette citation, je ne vais pas la répéter. Si vous la voulez, vous pouvez la recopier de quelqu'un qui l'a. Vous pouvez la copier avec une belle écriture et vous la mettez dans votre salon ou là où vous voulez. C'est très important d'avoir des instructions, d'avoir des messages du Dharma et de les mettre chez vous un peu partout ou dans votre livre de prière. Donc c'est une chose.
One thing, une chose. Particulièrement pour les préceptes du Mahayana, pour les laïcs ou pour les monastiques, pour les moines et nonnes qui ont pris les vœux de Pratimoksha, de libération individuelle, sont pris jusqu'à la mort, les vœux de Bodhisattva jusqu'à l'éveil, ainsi que les vœux tantriques. Ceux qui ont pris les vœux de moine ou de nonne pour la vie, mais même si on arrive à garder les vœux principaux, les plus importants, mais on ne peut pas garder toutes les branches, tous les vœux mineurs en général. Mais dans ce cas-là, quand on prend les préceptes du Mahayana, ce jour-là, il faut les garder très purement. Pas à moitié. On prend les vœux, mais c'est pas très sûr si on va pouvoir tout pratiquer. Donc, en fait, un peu mitigé, comme la soupe ou la salade, où tout est mélangé. Mais pas comme la soupe et la salade. La soupe ou la salade. Assurez-vous que lorsque vous prenez les préceptes du Mahayana, vous les gardez très purement. Et donc ce jour-là, ça vous aide à garder vos vœux purs aussi, les autres vœux. Donc les vœux que vous avez constamment, en fait. Donc ça vous aide à garder vos vœux purs. Donc, quand on pense à donner un sens à sa vie, ce qui est très une chose très très importante, c'est ça. The key things must be write down. Make sure you get done that, so don't miss. Donc c'est la chose principale, c'est l'élément clé. Et il faut l'écrire, le mémoriser, il faut s'en souvenir. Sinon, et ne le ratez pas, ne l'oubliez pas. Il faut vous assurer que vous faites cela. Sinon, tôt ou tard, la vie est pleine de distractions et vous êtes distrait par ceci et par cela. Et ça continue comme ça. Et ça dépend du nombre de distractions que vous avez. En fait, ça dépend si vous restez proche et vous conservez une amitié avec les 8 considérations mondaines, les distractions dans la vie. Qui ne vous laisse pas, qui ne vous permette pas, en fait, de pratiquer le dharma. Et vous devenez complètement incapable de pratiquer le dharma. Tôt ou tard, un jour. Ça y est, la mort est venue. Tôt ou tard, tous les jours, il y a des tas de distractions. Et soudainement, la mort est arrivée.
Tout est fini. Life. La vie change complètement. Tout change à la maison. Life. Something else. C'est complètement autre chose. C'est bien. Then we, then about to die, see. And then no time. So then how much you regret? Et au moment de mourir, il n'y a plus de temps. Et à ce moment-là, vous pouvez penser, oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, je n'aurais pas dû faire cela. Oh, je devrais faire ceci. J'aurais dû faire beaucoup de retraites. J'aurais dû faire des retraites. J'aurais dû abandonner ceci. J'aurais dû vivre dans un dharma pur. Mais quand la mort est là, il n'y a plus de temps, c'est fini. Et donc, on est dépassé, submergé par la tristesse. Et on a peur des royaumes inférieurs. C'est le karma qui s'exprime. Le sentiment qui s'élève. Comme je l'ai dit, même les gens qui ne croient pas, qui ne sont pas bouddhistes, qui ne croient pas dans le karma, ne croient pas au karma, la réincarnation, intellectuellement, il n'y croit pas, mais au moment de la mort, de façon instinctive, c'est la peur qui s'éveille, la peur de ce qui va se passer, quelque chose de terrible va m'arriver. En fait, même si intellectuellement, il n'y croit pas, il ne croit pas dans la réincarnation, dans le karma. J'ai vu des gens comme ça. Et cela arrive non seulement lorsque vous mourrez, mais quand quelqu'un d'autre meurt aussi, quelqu'un de proche de vous, des membres de votre famille. Ça vous fait découvrir, en fait, ça vous fait passer la vie. Ça vous fait penser à votre vie. Tout change, la personne, le changement qui est arrivé, la personne, la situation a changé soudainement, et ça vous fait en fait penser à votre vie. Et maintenant, je ne devrais plus m'engager dans ces karmas négatifs, je devrais avoir une vie pure, je ne devrais pas m'engager dans les distractions. Quand vous voyez un membre de votre famille qui est décédé, ça vous rappelle de pratiquer un dharma pur. However, if you can become enlightened, si vous pouvez devenir Bouddha dans cette vie, dans cette vie-ci, to be liberated from samsara in this life, obtenir la libération, la libération du samsara dans cette vie, ça dépend de la racine, de la fondation des entraînements supérieurs, la moralité et à la base, particulièrement. Particulièrement la vue profonde et aussi l'entraînement supérieur dans la concentration. Donc la concentration dépend de l'entraînement supérieur de la moralité. Et c'est ça la base, la fondation, la moralité. Donc après je donne une citation d'un sutra. Maybe from sutra.
une citation d'un sutra, la moralité est la base, et comme la terre, c'est comme la terre, les êtres se déplacent, et les, aussi les, donc tout ce qui est animé et ce qui est non animé, donc la terre est la fondation pour tout ce qui est animé et inanimé, et la moralité est comme ça, comme la terre. So one should hold, one should keep it. Donc il faudrait, il faut la tenir, il faut garder cette fondation pour toutes les qualités. Sur cette base, on atteint toutes les qualités jusqu'à l'éveil. Et donc il faut la détenir, la garder, la maintenir fermement. Donc ce qui donne un grand sens à la vie, c'est ça qui donne un grand sens à la vie. So I think it's there's so many, just 8 mile precepts. Si on parle juste des 8 préceptes du Mayana, dans notre organisation, on a incroyablement de chance. En commençant par Copan, au début, les premiers cours, dès le tout premier cours, je ne me souviens pas si le premier cours de Copan, c'était un cours de 5 jours. Je ne me souviens pas si on avait pris les préceptes. Mais après cela, peut-être on a commencé dès le second. On prenait les préceptes du Mayana. On les prenait. Très souvent. Je les prenais très souvent, dit Rinpoche. Et ça a commencé. Dans les cours, on prenait toujours les préceptes. Un cours d'un mois, on prenait les préceptes pendant 2 semaines. C'était fantastique. C'est une de pouvoir offrir cette chance à tous les êtres et aux personnes qui venaient pour le cours, pas juste s'asseoir les jambes croisées, pas juste cela, mais en plus. Juste s'asseoir. On peut s'asseoir. On peut le trouver partout dans le monde. Dans de nombreux endroits, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça, c'est une conduite extérieure. On s'assoit, les gens vont croiser. Mais là, pendant nos cours, en fait, pendant le cours d'un mois, 2 semaines de préceptes. Et on les garde de façon très stricte. Et ça, en fait, à ce temps-là, on prenait juste un repas. C'était fantastique. Je pense que c'est vraiment fantastique. Et donc, c'est beaucoup de choses. Et ça veut dire que, en fait, on va jouir d'un grand bonheur dans cette vie et dans les vies futures. Jusqu'à l'éveil. Et des centaines et des milliers de vies dans les royaumes des humains et des dieux et dans les terres pures, jusqu'à l'éveil. Et si les vœux sont prêts avec la Bodhisattva, ça devient même la cause pour atteindre.
l'éveil. Donc, le fait qu'on ait eu cette opportunité, dès le début, c'est vraiment miam miam. Miam miam. C'est miam miam. So that's, I think, really wonderful thing. Wow. Best gift. Je pense que c'est vraiment une chose merveilleuse. C'est un cadeau pour les êtres. C'est un vrai cadeau. We know we're doing that. So, wow. Most fantastic. C'est fantastique. Ça rend, donne vraiment du sens à la vie. C'est incroyable. La cause incroyable pour recevoir les réalisations sur le sentier, pour atteindre le nirvana, l'éveil, pour accomplir en fait toutes les qualités des Bouddhas, des un nombre infini, sans limite de qualité du corps, de la parole, de l'esprit des Bouddhas. Et ceci est dû à la bonté de la Mahayana. En fait, les nyunes et les préceptes du Mahayana, l'inspiration pour faire ces pratiques, c'est Kyabje Seko Rinpoche. C'est la façon de faire de Rinpoche. Rinpoche à Dharamsala a expliqué, il essaie d'expliquer le mandala de Chenresik à Dharamsala. Pour faire les nyungne, j'ai commencé les nyungne à l'ado. Pour faire les nyungne. Rinpoche a dû donner un texte, un texte complet. Un texte de Kriya Tantra. Un très grand texte. Et des enseignements extensifs sur les vœux et le sentier du Kriya Tantra. Différents types de méditation, le tantra de l'action, le kriya tantra, et aussi un commentaire élaboré sur les nyunes. Et j'ai pensé à le traduire. Maintenant, j'ai reçu toutes les lignes, les transmissions, il y a quelques années de Kyabje Kyongla Rinpoche. Donc j'ai la ligne. So able to cause, see, make a life. Everyone come here, cause make life. It's unbelievable. Donc, être à la cause, en fait, pour le bonheur. All causes Buddha to it. Des êtres, tout pour le bonheur, tout le bonheur jusqu'à l'atteinte de l'éveil. Et pour rendre leur vie. Donc tout ça c'est la cause pour atteindre l'éveil tôt ou tard. Et chaque fois que lorsque les gens prennent les préceptes aussi, ils apportent tellement de bienfaits au monde. Si vous vous souvenez, les quatre frères. Les quatre frères harmonieux. Four harmonious brother. Si vous vous en souvenez. So the in India the. En Inde. C'était en Inde. So there's been great success in the economy. Dans un royaume. Tout allait tellement bien dans ce royaume. Il y avait beaucoup de nourriture, les récoltes étaient bonnes, la pluie
était abondante. Et tout le monde pensait que c'était grâce à lui. Le roi a pensé, c'est moi qui ai fait, c'est grâce à moi. Et les ministres aussi chassent, comme pensaient, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Et donc, une fois, ils se sont rassemblés pour en parler. Et un ministre a dit, il faudra aller demander aux sages qui est la clairvoyance. Il lui pose la question. Et donc, ils ont été voir ce sage et lui demander, c'est grâce à qui que tout va si bien et que ce pays se développe si bien? C'est grâce à qui? C'est le roi, c'est le ministre qui sait. Et le sage a dit, non, c'est pas vous. C'est parce qu'il y a ces quatre animaux, ces quatre frères harmonieux qui vivent dans la forêt, et c'est grâce à eux, en fait, que tout va si bien. Il y a l'éléphant. L'éléphant, en fait, a répandu l'usage de prendre les cinq préceptes, en fait, à tous les éléphants. Et le singe a fait la même chose avec tous les singes. Et ensuite, le coq ou le pigeon, je ne sais pas. Le lapin a fait la même chose avec tous les lapins. Et ensuite, l'oiseau, à tous les autres oiseaux. Et donc, ils ont aussi développé, en fait, le respect pour autrui. Et tout cela s'est répandu à toute la forêt. Et à cause de cela, le pays s'est développé économiquement. En fait, ces quatre sont la manifestation. Je crois que l'oiseau était Guru Shakyamuni Buddha, j'en suis plus trop sûr. Et les trois autres, un était Kungao, Ananda. L'incarnation du Bouddha. So that's one story that gives an idea how it helps the world for peace, and then et donc ça donne une idée comment ça porte la paix dans le monde et ça aide aux affaires du monde, à l'économie. Peace and happiness dans le monde, le paix, le bonheur sont reçus aussi des autres êtres. Les Nagas, les Devas reçoivent la paix et le bonheur lorsque les gens prennent les vœux. Donc, évidemment, sans compter les êtres humains aussi en bénéficient. Plusieurs fois, j'ai remarqué d'ailleurs quand j'étais à Serra. Quand j'étais à Serra, il y avait du brouillard. Mais quand les moines se réunissaient pour le Sojong, c'est là le. Le sojong qui est en fait un rituel de purification pour les moines, pour purifier leur vœu. Il y avait du brouillard, c'était pas très clair. Mais au moment où ils ont donné le signal pour le sojong, en fait, ça s'appelle Gandhi et c'est un morceau de bois. Un morceau de bois très long et le moine le porte sur son épaule, je crois. Et il frappe le bout de bois et il circule en frappant ce bout de bois pour donner le signal. Et ça fait pas ting, non? Ting, ting, non. Ça fait bam, bam. The very first sound, ting, le brrr.
Et donc, au premier coup, en fait, qui est le signal pour Sotcho, au premier coup, au premier son, la pluie a commencé à tomber. Et j'ai vu ça aussi à Copan. En fait, ça veut dire que les Naga et les Devas sont tellement contents. Ils sont heureux parce que les moines purifient leurs vœux. Les bienfaits du Ganji, de cet instrument, est expliqué dans les sutras. Je n'en souviens pas. Comment, en fait, juste le son de ce signal répand ses bienfaits dans ce lieu. Et comment, en fait, les Nagas et les dieux se réjouissent, ils sont heureux. C'est pour ça qu'il faut entendre la pluie. Donc il ne faut jamais penser que c'est quelque chose de très important. Au plus profond de vous, il ne faut jamais en fait être indifférent. Value much on that. I'm asking that must hold it. How is so important. Bien sûr, les vieux étudiants qui ont rencontré le Bouddha Dharma il y a très longtemps le savent. Ce que je dis ici, c'est pour ceux qui ceux qui ne donnent pas tellement d'importance, qui pensent que ce n'est pas très précieux en fait. Et ce que je vous dis, c'est qu'il faut voir que c'est quelque chose de très important dans votre vie, quelque chose qui donne du sens. Et je mets l'accent là-dessus. Dans le texte, il est dit que ce mantra... Donc, il ne faut pas faire juste, tu vois, oh oui, ce mantra est dans les textes, mais on ne s'en sert jamais, il ne faut pas faire comme ça. Il faut s'en servir. Le Bouddha nous donne les moyens pour atteindre l'éveil, pour purifier tous les karmas négatifs et pour voir des réalisations très rapidement. Donc, nous devons prendre cette opportunité. Et sinon, on le laisse dans le livre de prière et on ne le fait jamais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'on meurt et c'est fini. Donc, souvenez-vous de cela. Où que vous alliez, que vous marchez sur l'herbe, dans les champs d'herbe, donc si vous avez resté ce mantra, que vous avez soufflé sous vos pieds, en fait tous ces insectes, ils vont renaître dans les champs purs. Et dans des royaumes supérieurs. Je ne veux pas dire qu'il faut faire exprès de marcher dessus. Si vous voyez des vers ou des rats ou des souris ou des criquets ou des araignées et vous sautez dessus ou vous lancez vos chaussures lourdes sur ces insectes et ces animaux, je ne fais pas de la publicité, je ne dis pas cela. Same thing when we drive. I mentioned this past when we drive car, you know. Et ça, je l'ai déjà dit dans le passé. C'est pareil que lorsqu'on conduit, quand on conduit en voiture, on se déplace en voiture sur la route, il y a tellement de fourmis et d'autres êtres aussi. So if you chant this mantra. Oh, so under the car wheel, you see, si vous chantez ce mantra et vous crachez sur les roues de la voiture. Not this side, but the car wheel that touches the ground. So la partie de la roue qui touche la route. Ou alors vous chantez, vous soufflez sur l'eau et vous mettez l'eau. So you
sur les roues. Si vous, vous allez loin, par exemple, si vous prenez, quand vous prenez votre voiture, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'insectes sur la route. Donc, même s'ils sont tués, même s'ils sont tués, ils renaissent dans des royaumes supérieurs. Donc, ce n'est pas juste pour vos pieds ou pour votre chaussure. Vous pouvez faire la même chose avec les roues de la voiture, par exemple. Ensuite, il y a de nombreux autres mantras pour bénir le mala qui viennent de ce texte tibétain. Dans les instructions du grand yogi Kyungpo pour bénir la parole. So this is another method. Ça c'est une autre méthode. Another method that. Max wants to speak perfect. C'est pas la méthode. Whatever restriction. Donc c'est la méthode qui rend la parole parfaite. Et toutes les récitations de mantra sont multipliées par 10 millions. Donc on parle de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers. Et donc il y a des termes en tibétain et quelquefois on dit saya. 10 times. Saya, c'est 10 fois. 10 times 1,000 is saya. Then 10 saya is 1 chapa. 10 saya is 1 chapa. How many? Million? 1 million. Ah? Oui, et donc en fait, Saya, Saya c'est 10 fois 100 000. Et 10 Saya c'est 1 Jepa. Ça veut dire en fait 10 millions. 10 millions. Donc en faisant la bénédiction de la parole, of course, making the speech perfect, that's one thing. Donc le mantra que l'on récite est multiplié par 10 millions. Particular benefit is the power mantra. Lorsque l'on mange des nourritures noires ou certaines nourritures, cela diminue, vole en quelque sorte, élimine le pouvoir de votre parole. Le pouvoir aussi des mantras que vous récitez. Et aussi, il y a autre chose. Donc, il y a
You know, all whatever you talk, in day and daytime, and then all the gossipings, you see. Et donc, lorsqu'on récite le mantra, en fait, ça empêche cela. Ça empêche donc de dégénérer le pouvoir de la parole dans certaines nourritures. Et autre chose, c'est que lorsqu'on parle toute la journée, et donc tous les toutes les paroles inutiles, en fait. Et par le pouvoir du mantra, en fait, tout devient récitation du mantra. Ce que ça veut dire, ça devient vertu. Il y a dans toutes les paroles inutiles, en fait. So until the mantra finishes, is it, et donc, lorsqu'on récite ce mantra, oui, toutes les paroles deviennent vertueuses. Il y a aussi des biens plus particuliers pour lesquels la bénédiction de la parole. Il est dit Your mantra words got say pull up. Stake by Prua, the tantric, you know, the so the implement for wrathful actions. You know. Donc il est dit que the power of the mantra, la récitation du mantra jusqu'à la. So I think what probably means if you do the blessing speech, maybe that doesn't happen. But it was, maybe mean that. Mentioned about Katamba's teaching called Tenrim. Then also the Kundu Lua Tantra, you see. Then if you eat garlic, then it's the text where the power speech. Donc il est mentionné aussi que dans les enseignements de Lama Kadampa, qui s'appelle le Tenrim, dans le Tantra. Inférieur, en fait, si on mange de l'ail, si on mange de l'ail, si on mange de l'ail, en fait, ça diminue, ça élimine le pouvoir de la parole pendant 6 jours et l'oignon pendant 5 jours. Et les radis aussi, ça donne beaucoup de flatulence. Et beaucoup de flatulence, et donc pendant 9 jours, et ça vole aussi le pouvoir de la parole. Mais si on mange des orties pendant 6 mois, ou si vous mangez du mouton, toute votre vie, en fait, ça aussi nuit au pouvoir du mantra. Et donc, les animaux qui sont très stupides, ces animaux, comme par exemple les moutons, etc. Et c'est leur nature. Et donc, quand vous mangez leur chair, leur viande, même la partie inférieure du mouton, et donc cela endommage la langue, le pouvoir de la parole à cause de cela. Et c'est aussi nuisible à la. Si vous mangez le cœur, leur cœur de ces animaux, ça nuit à votre sagesse. Et ça fait dégénérer la sagesse. Donc, lorsqu'on pratique la bénédiction de la parole, en fait, toutes ces nuisances sont éliminées. Donc, tous les inconvénients du fait de manger de l'ail, de l'oignon, etc.
Et ça empêche donc que ces nourritures nuisent au pouvoir du mantra, de la parole. Ensuite, je prends refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Je prends refuge dans les trois précieux, sublimes, joyeux pour le bénéfice des êtres. Je vais atteindre l'éveil trois fois. Maybe I just quote the end and finish. Okay. Or maybe stop. Maybe do both. Ok, peut-être on s'arrête ici. I can do tomorrow. Eat them tomorrow. we leave it for next year. Le reste, c'est pour l'année prochaine. Pour demain ou pour l'année prochaine. Save it in notebook and do next year together. Gardez-le dans vos notes et on le garde pour l'année prochaine. One question. Y a-t-il une question? I, the merely level I, the inherent existent I, and the general I. I. And then I don't understand the difference on the different eyes. A mentionné hier soir ou ce matin qu'il y avait trois types de jeux. Vous avez dit qu'il y a différents jeux, différents soi. Celui qui est simplement désigné, celui qui existe de façon inhérente et aussi le jeu général. J'ai pas trop compris la différence. Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier la différence the general I and what? Entre le jeu qui est général et le jeu qui est simplement désigné. I think my guess. Je suppose. Je suppose que. This is my guess, okay? C'est juste une supposition. C'est juste une supposition. So, you see somebody, but vous voyez quelqu'un. Particularly, Kebrajawa, you know, the middle level. Particulièrement, ce qui est simplement désigné. You know, putting that label, middle label, you see. Donc, quand on parle de simplement désigné,
et chercher ça. Et l'autre, c'est on n'a aucune reconnaissance, on n'a aucune conscience en fait de ce qu'est le jeu simplement désigné. Donc dans le cas de simplement désigné, c'est particulièrement mentionné, donc spécifié que c'est avec la spécificité que ça c'est simplement une étiquette, une désignation. L'autre, le général, le jeu général, c'est quand on n'a aucune idée en fait de la désignation, aucune conscience de ce que ça veut dire, de ce que c'est. C'est juste la vue de l'esprit. Et ensuite le vrai jeu, celui qu'on sent qui est vrai. On croit qu'il est vraiment là à l'intérieur de notre corps, de son propre côté, quelque chose qui existe vraiment. Et donc le général jeu, c'est juste, c'est pas simplement désigné. Il vous ne spécifie pas qu'il soit simplement désigné, c'est juste général. Vous ne regardez pas de cette façon-là. C'est juste le jeu en général. C'est juste ce que je devine, ce que je suppose. Simplement désigné, c'est comme il est simplement désigné, vous pensez en concordance avec ça. En concordance avec cette réalité. Et vous, et si vous le cherchez, c'est ça que vous cherchez. C'est ce que je pense. Peut-être on peut trouver des exemples. Exemple. Répondez demande à Geshe-la. C'est Geshe-la des exemples. Yeah, this is what I would think of that something. Je suppose que c'est comme ça. You don't think that this, you know, the real I truly exist. Donc une chose c'est le vrai jeu, le jeu réel qui passe simplement désigné. Et un autre c'est en spécifiant, en spécifiant. En particularisant, en spécifiant donc particulièrement celui qui est désigné par l'esprit, juste désigné. Je ne suis pas complètement sûr. Example, but it's mentioned in the text. It was mentioned. Et donc il y a celui qui ne spécifie pas simplement désigné, qui est juste général. Le jeu qui couvre les vies passées, ce qui s'étend en fait dans toutes les vies passées, dans toutes les vies passées, dans les vies présentes et dans les vies futures. Le jeu qui couvre tout. C'est ça le jeu général. Yeah. Yeah, when you think you know, the I, quand on pense au jeu depuis des vies sans des renaissances sans commencement et aussi qui viennent dans les vies futures, qui embrasseraient les futures jusqu'à l'éveil. Donc le jeu comme ça qui couvre tout, le jeu général. En fait, c'est la vue de la personne quand elle parle du jeu. Comment la personne le voit en fait ce jeu quand on en parle. C'est comme ça.
anyway, you know, I think it's how it is, viewed by the individual person. Donc, je pense que c'est la façon dont c'est vu, considéré par la personne individuelle. Et bien sûr, on peut en discuter, ça se débat. Anything that appears, it has to be for us. Tout ce qui apparaît, tout ce qui apparaît pour nous, ça doit apparaître comme étant existant vraiment. Parce que, à part, sauf si on est en équilibre méditatif et qu'on a la sagesse qui réalise directement la vacuité, en équilibre méditatif, à part ça, dans ce cas-là, il n'y a pas d'hallucination. Parce que c'est la sagesse qui perçoit la vacuité directement. Donc pas d'hallucination. Mais à part cela, à partir du moment où vous sortez de cette méditation, donc il y a l'apparence hallucinée. Tant qu'on n'a pas éliminé la vue subtile de l'existence réelle. Of the ignorance concept of true existence. On parle en fait ici lorsque l'ignorance qui est en fait la souillure subtile qui conçoit l'existence réelle cesse. Quand ce concept d'existence réelle a cessé. Et donc, ça s'arrête. Un Bouddha n'a pas de vue dualiste. N'a pas la vue de l'existence réelle. À cause de cela, et donc, cette apparence, pour nous, les êtres ordinaires, cette apparence d'existence réelle est toujours là. Somebody who hasn't realized that it's empty. Pour quelqu'un qui n'a pas réalisé la vacuité. Then, you see, would hold that it's truly existent. Donc, quelqu'un qui n'a pas réalisé la vacuité va croire en cette existence réelle. Il va y croire, il va la saisir. Et une fois qu'on a réalisé la vacuité, qu'on a réalisé que c'est vide, il n'y a plus de concept qui croit, en fait, qui tient à la vacuité. Croire en cette existence réelle. Il y a le concept de l'existence réelle qui est inné. Et ce concept inné, il existe jusqu'à ce qu'on atteigne la dixième terre. Le concept d'existence réelle né simultanément, ce qui veut dire en fait inné. Une autre traduction, c'est inné. But clinging, you know, clinging. Mais l'attachement à l'existence réelle, il y a une différence. La différence avant de réaliser la vacuité et après, en fait, c'est comme le ciel et la terre dans l'objet que l'on détient. Après que l'on réalise la vacuité, c'est comme lorsque vous arrivez sur le sable, et quand vous regardez, vous avez vu un mirage avec le sable, la chaleur, le soleil. Vous avez vu une vision d'eau, vous avez un mirage. Mais quand vous regardez, vous,
vous voyez, vous savez qu'il n'y a pas d'eau, parce que vous venez de cet endroit, et vous savez très bien que même s'il y a de l'apparence de l'eau, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'eau. Vous savez que c'est un mirage. Donc ici, l'attachement, en fait, l'adhérence, la croyance au fait qu'il y ait de l'eau n'est pas là. Donc, lorsqu'on arrive de la vacuité, donc de la même façon, la différence est comme la différence entre la terre et le ciel. Et donc, une fois qu'on a réalisé la vacuité, on sait que c'est vide. Donc, il n'y a plus d'adhérence, il n'y a plus de croyance que c'est là. Mais avant, il y a cette adhérence très forte. Cette croyance, on peut dire. Then how that person who haven't realized the emptiness of I, et donc la personne qui n'a pas réalisé la vacuité du jeu, comment cette personne pense-t-elle au jeu? La personne voit le jeu comme existant vraiment, ayant une existence réelle. Ça doit être comme ça. Anyway, so analyze, we have to analyze, okay? L'adhérence. Et donc, il faut analyser. Oh, yeah, then. Do you want to recite the short succession yoga, or the very long one? Very, very long one. Vous voulez faire, vous voulez faire la session courte ou la session longue? That was all night. So the short succession yoga. Du yoga en succession. Three times. In my heart, I turn to the three jewels of refuge, my free suffering creatures, and place them in bliss. May the compassionate spirit of love go within me, that I may complete the enlightening path. In the sky, in a lotus, the sun, and moon seed, I see my lamas, Dorje Chang, blue in color, holding Dorjin Bell, experiencing great bliss with his consort, Ying Chuma. On his brow, white om, throat, a red eye, from the blue home at his heart, many colors shine out, calling forth the awakened from all 10 directions, inviting them to him to melt into one. To your blue lotus feet, I bow, Dorje Chang, with oceans of clouds and make triple offerings. The lands, jewel vows, the sun and the moon, and all precious offerings I make unto you. Powers supreme and powers mundane, follow upon pure devotion to you, my protector. Bless my body, my life, my wealth forsake, and ask for your aid only to please you. Now my Lama requested comes to the top of my head and dissolves with both of one. And I, Dorje Sampa, unite with Chomdema, holding Dorjin Bell, feeling great bliss. Land, body, and wealth, and all virtues collected, for the sake of all mothers, I gladly release, and about to protect all the vows I have taken, not to regret even one for the sake of my life. By means of holding both sutra and tantra, I liberate all living creatures completely. May the virtues collected flow on toward the Dharma, preserve it and nourish the prayers of the masters. I request that the grace of the three jewels of refuge, following on by cause and effect, shall fulfill all the prayers that I now set forth, and lead me across to enlightenment's shore. In my heart, I turn to the three jewels of refuge, my free suffering creatures, and place them in bliss. May the compassionate spirit of love grow within me, that I might complete the enlightening path. In the sky, on a lotus, the sun, and moon seat, I see my lamas, Dorje Chang, blue in color, holding Dorjin Bell, experiencing bliss with his consort, Yin Chuma. On his brow, white om, his throat, red eye, from blue hung at his heart, bounding colors shine out, calling forth the awakened from all 10 directions, inviting him to melt into one. To your blue lotus feet, I bow, Dorje Chang, with oceans of clouds, and make triple offerings. The lands, jewel vows, the sun, and the moon, and all precious offerings I make unto you.
Power supreme and powers mundane, pull upon pure devotion to you, my protector. Thus my body, my life, my wealth I forsake, and ask for your aid only to please you. Now my Lama requested comes to the top of my head. We both are one. Now Dorje Sempa, unite with Chomdemba, holding Dorjin bell and feeling great bliss. Land, body, and wealth and all virtues collected, for the sake of all mothers, I gladly release. And I vow to protect all the vows I've taken, nor transgress even one for the sake of my life. By means of holding both Sutra and Tantra, by liberating the living creatures completely, may the virtues collected flow on toward the Dharma, preserve it and nourish the prayers of the masters. I request that the grace of the three jewels of refuge, flowing on by cause and effect, shall fulfill all the prayers that are now set forth and lead me across to enlightenment's shore. In my heart I turn to the three jewels of refuge, my free suffering creatures, and place them in bliss. May the compassionate spirit of love go within me, that I may complete the enlightening path. In the sky, in the lotus, the sun, and moon seat, I send my lamas, Dorje Chang, blowing color, holding Dorjin bell, experiencing great bliss with his concert Yin Chilma. On his brow, white arm, the throat, a red hour, and the blue on his heart, many colors shine out, calling forth, waving from all ten directions, inviting them to him to melt into one. To your blue lotus feet, I bow, Dorje Chang, with oceans of clouds, and make triple offerings. The lands, to your vows, the sun and the moon, and all precious offerings I make unto you. Powers supreme and powers mundane, follow upon pure devotion to you, my protector. Thus my body, my life, and my wealth I forsake, and ask for your aid only to please you. Now my Lama requested comes to the top of my head and dissolves who both are one. And I, Dorje Sempa, unite with Chomdemba, holding Dorjin bell and feeling great bliss. Land, body, and wealth, and all virtues collected, for the sake of all mothers I gladly release, and I vow to protect all the vows I have taken, nor transgress even one for the sake of my life. By means of holding both Sutra and Tantra, may I liberate all living creatures completely. May the virtues collected flow on toward the Dharma, preserve it and nourish the prayers of the masters. I request that the grace of the three jewels of refuge, following on by cause and effect, shall fulfill all the prayers that are now set forth and lead me across to enlightenment's shore. So when we know how we should begin, refuge bodhicitta, and then four immeasurable, the general en fait, il faudrait faire le refuge, la bodhicitta, les quatre pensées incommensurables, et la motivation pour la pratique du Guru Yoga. I just remembered what is question. I just remembered her question. So I think it. Donc vous reparlez de la question de Paloma. Je crois que c'est peut-être comme ça. En pacifiant, le jeu qui existe, le jeu qui existe vraiment, et en pacifiant
you don't say two little eye, you don't like the le jeu qui est simplement désigné, et donc le jeu général qui n'a aucune spécification. Donc vous ne dites pas existant vraiment. Le jeu. Vous ne parlez pas du jeu qui existe vraiment. Donc, quand on parle des Svatantrika et les Prasangrika, ils ne croient pas dans l'existence réelle. Ils disent que ça n'existe pas. Mais les Babashika, les Svatantrika, et les choses dépendent de quoi et conditions. Et c'est la réalité. Les Babashika et les Svatantrika, les Svatamatra, ils croient dans l'existence réelle. Mais les Svatantrika, les Prasangrika, ils ne croient pas dans l'existence réelle. Généralement, si on parle de façon générale, le jeu général n'est pas spécifié comme étant l'un ou l'autre. Il n'est pas spécifié comme ayant une existence réelle. Il n'est pas spécifié comme étant seulement désigné. Dans le livre ici, ce livre ici, on ne spécifie pas le livre qui a une existence réelle ou le livre qui est simplement désigné. Donc, si on ne spécifie pas, c'est le livre en général. Je pense que c'est comme ça. Mmh.